Je peux comprendre qu'avec les circonstances actuelles, il y ait des raisons de ne pas y croire. Mais je ne m'engagerai pas en affirmant de telles choses, à moins d'avoir confiance en les sources que nous avons au département de la Défense. Et les missiles israéliens ne laissent pas les mêmes traces.